Alain Laboile, sculpteur et photographe bordelais, nous convie aujourd'hui à la découverte de son exposition in situ à la vieille église de Mérignac. Bienvenue dans l'univers atypique de cet artiste autodidacte, père de 6 enfants. Dans la famille Laboile, il y a les parents, Alain et Anne, et 6 enfants, Elliot, Juliana, Luna, Merlin, Dunénil, 4 filles et 2 garçons, âgés de 11 à 25 ans. La tribu vit dans la campagne sud-girondine, à un rythme doux, presque hors du temps, au bord du monde. Depuis une quinzaine d'années, Alain Laboile photographie le quotidien de sa joyeuse tribu. C'est son unique sujet, puisé au sein même de son propre environnement. Pour l'exposition in situ, le plan de la propriété Laboile a été calqué sur celui de la vieille église, offrant ainsi aux visiteurs une immersion complète dans ce singulier univers. Pénétrons tout d'abord à l'intérieur de la maison. C'est une vieille bâtisse, sans confort superflu. Si chaque enfant dispose de sa propre chambre, l'essentiel de la vie de famille se concentre sur la cuisine et le salon. Ces pièces ne sont pas très spacieuses, mais agissent comme un aimant. La famille entière s'y retrouve à toute heure. Alain Laboile capte ces instantanées de vie, sans mise en scène ni artifice. L'eau est une autre récurrence dans la photographie d'Alain Laboile. Réflexion, jeu de lumière à la surface de l'eau, ondulation, créent des scènes oniriques à la lisière du réel dans lesquelles ciel et eau se confondent. Photographe depuis 2004, Alain Laboile n'a jamais cessé de pratiquer la sculpture. Son jardin est peuplé de créatures monumentales fantasmagoriques en acier de récupération. Ses enfants se les approprient, ils les escaladent, les chevauchent, tels des conquérants de ces imperturbables gardiens, témoins de leur jeu turbulent. Les moments passés en forêt sont nombreux, lieux propices à l'exploration, à la découverte. C'est une intarissable leçon de choses. Été comme hiver, l'espace extérieur est investi par les enfants qui semblent insensibles aux intempéries. Ces moments de communion avec la nature donnent lieu à des rencontres insolites avec la faune locale. Insectes, reptiles et même parfois enfants deviennent les amis d'un instant. Le contact étroit avec les éléments est prétexte au jeu, à la création artistique, à l'expérimentation. Une large place est laissée au temps libre. L'ennui, nullement redouté, est considéré avec bienveillance. L'enfance chez les Laboile est teintée de nonchalance et de désinvolture, tel un contre-pied à la course infernale contre le temps qui anime le monde d'aujourd'hui. Thank you.